Salut tout le monde, c'est Steven. On se retrouve sur Anno 2070. Et la petite musique qu'il y a en fond, bah, je l'ai jamais entendue, mais elle est sympathique. Ok. Donc, vous savez que j'ai des problèmes. Oh, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Pas assez de légumes. Enfin, celui-là du moins. Si, il y a une cargaison. On verra si on peut augmenter la production de légumes. Donc, j'avais au dernier épisode un petit problème avec ces. Comment dire? Ces plantations de thé qui vidaient pas leur inventaire. Alors moi je pensais qu'à partir du moment où ils étaient connectés à un endroit ou à un autre, à un entrepôt, ça pouvait marcher, donc vous voyez que j'ai une route ici. Et vous m'avez dit en commentaire que apparemment il fallait que les entrepôts soient un peu plus proches. Donc du coup je vais essayer de connecter à cet entrepôt ici. Donc je vais devoir bouger des trucs par contre, parce que c'est un peu le bordel actuellement. Enfin c'est pas le bordel mais c'est pas. Bah, j'ai pas la place de mettre une route quoi. Hop. Alors. Qu'est-ce que j'ai débloqué ici? Pourquoi ça clignotait? J'ai rien débloqué du tout. Ah non, je suis dans les techs là? Non, je suis dans les échos. Alors, boulevard. Hop. Petite voiture qui arrive. Et est-ce que tu as vidé? Ok. Ouais, donc ok. Apparemment c'était ça, donc je savais pas du tout. Je pensais que la proximité importait peu du moment que c'était relié à un endroit ou à un autre par à un entrepôt. Mais apparemment non. Parce que c'est celui-là que j'utilisais d'habitude et apparemment c'est un peu trop loin pour aller jusque-là. Ah ouais, ok, ce rayon-là, c'est le rayon des usines qui sont couvertes apparemment. Oui, ou alors est-ce que j'ai d'autres entrepôts ici? Non. Où est-ce qu'ils sont vos entrepôts? C'en est un ça? Non. Ah ouais, ok. Ok, d'accord, je vois. Bon, merci pour l'astuce. Donc, faut que je me rappelle de où on en était, qu'est-ce qu'on faisait et tout le bordel. Je sais qu'on avait exploré les fonds marins. Ici, c'était trucs de pâte et de cuivre. Et ici, qu'est-ce que c'était? Non, c'était ici les pâtes. Et cuivre. Donc, ça, là, c'est pâte et cuivre. Ici, c'était quoi? Ah oui, on avait du sable et du calcaire. Ok. Du coup, alors celui-là, qu'est-ce qu'il a? Pas assez de cuivre. Ouais, j'ai mis un peu trop de trucs à puce, mais bon, c'est pas bien grave. Et vous voyez, celle-là est pas couverte. Ok, donc je vais faire un autre entrepôt. C'est un peu du gaspillage d'entrepôt de mettre autant, mais. Ah, moi, si j'en mets un là, c'est mieux là en fait. Hop, comme ça je peux supprimer celui-là. Et ok, normalement ça devrait être bon. Donc, il me semble que ce qui me manquait pour upgrade. Pour upgrade mes ingénieurs, c'était. Pas étonnant que tout le monde veuille s'installer ici. Oui. Notre belle ville n'arrête pas de passer à la télé. Absolument. Donc il me faut. Avertissement. Production Ah, interrompue. chut, tais-toi. Ce machin-là, comment ça s'appelle? Boisson bio, ok. Donc pour faire de la boisson bio, il me faut. Des fruits et du lait. Alors, je sais que le lait il en faut plein, plein, plein. Les fruits, ça va. Alors, où est-ce que je peux mettre des fruits? Sur cette île, je peux mettre. J'ai plein de place et j'ai un bon bilan écologique. Ah, d'ailleurs, c'est ça où j'ai les légumes. Du coup, je vais peut-être mettre un peu plus de plantation de légumes parce que vous avez vu qu'on était un petit peu short en légumes. C'est 5 champs qu'il faut. Est-ce que j'ai la place d'en mettre un là? Yep. Ok, parfait. Du coup, on va mettre des plantations de légumes également. De fruits, pardon, pas de légumes. Alors, je sais plus tout la place qu'il faut. Des valeurs en hausse. Ah, c'est assez petit, ok.
Il en faut 8 par contre. Du coup, je vais décaler un petit peu. Ça devrait suffire. Et 8. Ok, donc on va la une, je vais mettre une deuxième. Oups, ça que je voulais faire. Hop. Comme ceci. Il va me faire un entrepôt par contre. Oui, j'oublie plus les entrepôts maintenant. Je suis trop un pro. Et je vais mettre, je upgrade cette route aussi. Pour qu'elle soit un petit peu mieux. Non, un de plus. Ok. Alors, la route, on va mettre un boulevard également. What? Ok. J'ai peut-être un peu trop joué à City Skyline, en fait. J'ai acheté le jeu et je dois dire que je m'amuse beaucoup avec. À juste titre, hein, parce que c'est un excellent jeu. Parce que j'avais SimCity 4, mais j'adore vraiment les jeux comme ça, où c'est de la vraie 3D, où vraiment on peut avoir une bonne perspective sur tout ce qui se passe, vous voyez. C'est pour ça que j'aime beaucoup City Skyline. Et on n'est pas restreint à des routes droites également, dans City Skyline, on peut faire des routes comme on veut. Du coup on peut être très très créatif, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. Enfin, j'ai pas encore joué beaucoup, hein. J'ai peut-être quelques heures dessus, mais j'aime déjà beaucoup. Allez, soyons fous, on va faire une autre plantation. Ici. Alors, tac. Cinq, six, sept et huit. Ok, c'est parfait. Du coup, la route commerciale qui passe ici, il va falloir la mettre à jour pour qu'elle prenne également les fruits. Alors, comment? Ok. C'est quelle route? Légumes. Ok. Pourquoi est-ce que je décharge des pâtes à destinée depuis cette île? C'est n'importe quoi. C'est pas grave. Fruits. Et fruits. Hop. Ok. Donc, deuxième ingrédient qu'il faut, c'est du lait. Est-ce qu'on a la place? On a vraiment pas beaucoup de place. Hein. Comme je l'ai dit, je sais plus trop quand, ça va être très limitant sur cette map, ça va être la place. Il faut 7 champs. Alors, si je me rappelle bien, par contre, ceux-là sont très grands. Ouais, vous voyez. Mettre 7 champs aussi grands que ça, ça va pas être très simple. Surtout si je les place comme une merde. Ouais, on va dire que ça va. Ah non, pardon, c'est pas les champs qui a besoin de beaucoup, c'est les fruits. Donc c'est bon, j'en ai mis 3, ça sera suffisant pour le moment. Hop. Et 2 de plus. Ici peut-être. Ok. Alors les entrepôts, est-ce qu'on est bien? Ouais, on est bien. Ok. Donc ça, ils produisent des bouteilles de lait. Donc on va ajouter à la route commerciale les bouteilles de lait. Donc c'est... qui fait cuivre-pâte. Ok. Et bouteilles de lait. Ok. On va retourner sur mon île principale.
On va y mettre les usines. Hop. Alors. Non, pardon, c'était là. Avertissement. Production interrompue. C'est pas grave. On va mettre deux pour le moment. C'est quoi ça? C'est un dépôt? Pourquoi j'ai connecté à rien ce dépôt? Je suis un peu con. Je suis sûr que vous étiez dans votre écran. Steven, tu n'as connecté à rien le dépôt! Prêt à taper votre commentaire. Et énervé. Et puis moi j'ai eu deux minutes après. Oh mais le connecteur, rien le dépôt. Ok, on va voir ça un petit peu le temps. On va voir ce qui se passe. Hop. Vous êtes prêt pour cette quête? Quelle quête? Non, je veux pas de quête. Vous êtes très efficace. Oui, je suis très efficace, oui, absolument. Donc on a des fruits, mais on n'a pas encore de lait. Pourquoi tu n'arrives pas, lait? Hop, c'est pas cette île-là, c'est celle-ci. Ok, ça produit du lait. Je vois qu'on n'est pas terrible en bilan écologique, je vais rajouter des... Oups, c'est pas ça que je voulais faire. On va rajouter des machins pour avoir un meilleur bilan écologique. Peut-être pas station de surveillance, je pense que station d'éducation du temps, ça sera suffisant. Alimentation en énergie inadéquate. C'est normal, t'inquiète pas. Bilan écologique. Les valeurs grimpent. Hop, on va mettre une éolienne offshore. Plus 30, ça sera très largement suffisant. Hop. Parfait. Je suis pas sûr que ça influe sur les pâturages. Je sais que ça influe sur les plantations de fruits et légumes, par exemple. Je suis pas sûr que ça soit le cas sur les pâturages, mais au cas où. Au cas où, voilà. Avertissement. Arrêt complet de la production. Mais alors, est-ce que je me serais gouré? Décharger, charger. Non, je me suis pas gouré, alors pourquoi? Il est où le bateau, en fait? C'est celui-là, il est en train de revenir. C'est toi? Horizon. Ok, donc il a pas de... Ok, ça c'est étrange. Je sais pas pourquoi il avait pas de lait dans ses... What? Ah, pardon, je me suis trompé d'autre commercial. C'était pas celle-là. C'est celle qui va sur... Équilibre. Donc c'est celle du sable, ok. Forcément, ça risquait pas de marcher. Est-ce que c'est toi, mon... Ouais, c'est toi. C'est Topaz. Alors vous voyez que là, mes navires commencent à attendre. Ça, c'est pas bien. Du coup, alors je sais qu'il y a un bâtiment qui permet de régler ce problème, mais est-ce que j'y ai accès pour le moment? Je suis pas sûr. Non, je crois qu'il me faut... à moins que ce soit là-dedans. Prendre le temps qu'il faut pour tester vos... Mur de quai... Non, en fait, ce qu'il me faut, c'est une... Non, c'est pas ça. Ok, non, j'y ai pas accès pour le moment. En gros, c'est... un truc qui permet d'avoir un quai alternatif de chargement et de déchargement. Il me semble qu'il faut le tiers au-dessus, donc les... responsables ou les politiques ou je sais pas leur nom en français. Donc j'y ai pas accès pour le moment à ces personnes là. Ok, donc la production va pouvoir commencer. Pour l'instant ça a l'air d'aller 60% d'efficacité. Si j'atteins 80 ou 90%, ça sera bon. Et ça m'a l'air bon. Donc ils sont heureux normalement, donc je vais baisser leurs taxes. Changement démographique. On a misé sur le bon cheval. Cool. Merci. Et hop, voilà, j'ai accès aux responsables maintenant. Donc ce sont les la nouvelle classe d'habitants. Alors si j'en trouve, où sont-ils les responsables? Je sais pas à quoi ressemble leur bâtiment. Il
C'est bien d'avoir une espèce de carte qui dit qui est où. Parce que là, c'est bien mignon, en fait, de savoir que j'en ai, mais je peux pas avoir accès à leurs besoins, en fait. Comment je fasse ça? Non. Ok, ça? Ok. Donc vous voyez qu'ils commencent déjà pas très heureux. Donc il leur faut des projecteurs, en fait. Parce que sinon, ils ont tout ce qu'il faut. Pour la chaîne culturelle, il y a un reportage consacré à notre salle de concert. Mais apparemment, ils mangent beaucoup de pâtes, donc... toutes sortes de gens. Donc, ouais. Instruction relative à la quête en cours. Alors, station de génération d'ozone. Pas mal. Générateur de tour solaire, générateur de bouclier, blablabla. Fondation du centre de loisirs. Alors ça, c'est le monument. En gros, c'est un peu comme un centre-ville, mais ça prend... Enfin, c'est... En gros, c'est... Comment dire? Ça remplace tous les besoins de vos habitants, donc les besoins de télévision, enfin d'information, de divertissement. Tout est inclus en un bâtiment, donc il n'y a besoin de rien d'autre. Et donc pour les projecteurs, je vais avoir besoin de manganèse, donc ça c'est sous la terre, enfin sous l'océan, je vais dire, pas sous la terre, et de diamants. Avertissement, arrêt complet de la production. Ok. Poste de police. Ah voilà, terminal de dédouanement. Donc en gros, ça rajoute un deuxième endroit où je peux décharger des trucs. Alors je sais pas quelles sont les conditions de placement, je pense que je peux le mettre n'importe où. Oui, que je vais le mettre là, et... C'est un de mes bateaux, ça ? Non. Bon, j'ai pas de bateau apparemment pour l'instant qui veulent venir. Mais donc ils pourront utiliser... parce que pour l'instant ils utilisent mon entrepôt pour décharger les marchandises. Mais comme ça, ils pourront en plus utiliser le terminal. Donc c'est plutôt cool. Je sais pas s'il y a besoin de le relier à la terre. Mais je vais le faire quand même. Parce que je préfère, c'est un peu plus joli. Qu'est-ce que j'ai accès là-dedans? Ok, donc j'ai besoin des techs pour extraire les diamants et manganèse. Donc maintenant, je vais devoir commencer sur les villes des techs. Je vais devoir laisser les échos un peu en plan pour l'instant. Je vais juste regarder vite fait quels sont leurs besoins. Pêcherie, donc ils vont avoir besoin de ça. Alicament, je sais pas ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est, mais je sais pas comment on les fait en jeu. Hydrolienne, disons. Ça, c'est intéressant. 25 énergie. C'est pas mal. C'est plutôt cool. Donc moi, je cherchais quoi? Ah oui, les murs de quai. Alors. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc je sais pas si ça sert à grand chose, mais c'est quand même beaucoup plus joli. Donc vous voyez que mon bateau ici, le Topaz, il est venu se décharger. Non, il s'est pas déchargé. What? Mec, ton cuivre? Non, c'est du sable, à moins que je sois full en sable. Voyons voir, c'est où? Ah oui, je suis full en sable, ok, donc c'est normal. Alors, est-ce que j'ai des flèches rouges quelque part? Oui, ici. Écoute, toi tu as raté ta production parce que tu fais rien. Enfin, tu sers à rien. Sélection de bâtiments étendue. Et bim, je me fais plein d'argent. Alors, qu'est-ce que j'ai débloqué comme bâtiment maintenant? Des tours solaires qui produisent 120 énergie, ça c'est énorme. Très très cool. Donc, je vais vérifier que tous leurs besoins soient ok à peu près. Ceux-là, oui. Ceux-là, ouais, les pattes, c'est un peu... C'est encore un petit peu bancal, on va dire. Ces projecteurs sont ce qu'il leur faut, mais j'ai pas de quoi faire des projecteurs pour l'instant. Nourriture, qu'est-ce qui est le réactif limitant actuellement? Non, pardon, c'est pas ça, c'est... c'est où mes usines à pattes? Ah, c'est ça. On dirait que c'est les pattes qui est limitant. Enfin, qui sont limitantes. Ouais, c'est les pattes, ok. Donc, c'est sur quelle île que je fais les pattes? Celle-ci, je crois? Ouais. Alors, ça, c'est une usine à pattes.
qu'est-ce qui est limitant? Je crois pas que ce soit... Si, c'est l'usine à pâte qui est limitante. Vous pourriez vous rendre utile. Non, toi, tais-toi. Décidément, on ne peut... Route commerciale. Vous lisez dans mes pensées. Non, ok, ce sont les plantations de blé qui sont limitantes. Donc je vais en rajouter. Hop, boulevard. Hop. Combien? 5 de largeur? On va compter 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ok. Hop. Ça devrait augmenter ma production de blé. Donc ça, ça devrait aller un peu plus vite. Ou c'est quoi? Je vais même la doubler. Je vais pas faire les choses à moitié. Soyons fous. Wow, wow, voilà. Tu peux genre te mettre dans l'autre sens. Ouh, ça va être serré. Non, c'est bon, ça passe. Ok. Du coup, je vais peut-être mettre également un deuxième, deuxième usine. Je sais pas, je vais voir. Normalement, la production devrait bien augmenter. Normalement. On dirait pas. Avertissement. Arrêt complet de la production. Ils sont lents, dis donc, hein, ces machins-là. Peut-être que si j'augmentais le bilan écologique, ça irait un petit peu plus vite. Ou alors c'est juste que c'est lent à pousser. J'ai quand même essayé d'augmenter le bilan écologique. Est-ce que j'ai une mine? Je pourrais utiliser cette mine pour faire une station de surveillance. Parce que j'ai rien de très particulier sur cette île. Alors, entrepôt. Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Ah oui, je pourrais générer de l'ozone également. Ça chevauche quoi, ça? Ah, faut pas que ça chevauche ça. Est-ce que je le fais? T'as des quoi? Moins 60? Attendez, attendez. C'est bien pour le bilan. What? Ah oui, non, pardon, je regardais la mauvaise icône. Alimentation en énergie inadéquate. Eh oui, forcément. Énergie, on va mettre éolien offshore. Ils sont plutôt bien. On va en mettre 2. Enfin, 2 de plus. Donc le bilan écologique devrait augmenter, donc je pense que ça devrait... Amélioration du bilan écologique détecté. Ouais, voilà, donc ça devrait... Ah, vous voyez, je suis à 127% maintenant de productivité. Ah, c'est pour ça, quand je m'étonnais de des productivités qui dépassaient 100%, ça, en fait, ça dépend du bilan écologique. Donc ok, donc c'est cool, donc je suis à 130% de productivité sur toutes mes fermes. Donc celui-là, maintenant, il devrait être full. Ok, ça, c'est très cool. Et si je... Si j'en faisais un deuxième... Allez, je vais faire une deuxième usine à pâte. Je vais faire le foufou. Hop. Des routes. Est-ce qu'on peut par hasard... Oh! Oh, je peux mettre des raccourcis! Mais c'est parfait! Tu sais, j'ai pu aller chercher dans les menus à chaque fois. Attendez, je vais mettre pareil pour les entrepôts. C'est génial! On sait tout ce qui est important. Route et entrepôt. Ok. Donc, celui-là va augmenter sa production également. Oh, quelle surprise. Donc on va retourner sur mon île principale. Alors comment ça va maintenant ce machin-là? 100% productivité. De productivité. Arrêt complet de la production. Oui, c'est normal, c'est normal. Si quelqu'un connaît une façon de tout fermer ces machins-là... Je viens de trouver. Shift et clic droit, ça ferme tout. Plan de construction Tycoon. Ouh.
Oui, pas besoin d'ouvrir ça. En quoi puis-je vous être utile? Nous suivons vos activités dans ce secteur. Blablabla. La construction chargée permet de construire des bâtiments tech accordés. Ok, donc, qu'est-ce que je viens de faire, vous vous demandez peut-être. Eh bien, j'ai débloqué la troisième famille, ou troisième classe de population, qui sont les tycoons. Donc, en gros, on a les échos qui sont des gens très écologiques et tout, très verts, gentils, tout mignons, tout plein. On a les tycoons, c'est les mecs, c'est les techs. Donc voilà, ils polluent mais ils s'en foutent. Tu vois, ils ont des casinos et tout, c'est un peu la grosse débauche. Et entre les deux, on a les techs, qui sont un peu les gens intelligents, qui sont les chercheurs en gros. Donc tycoon et éco, c'est plus ou moins... c'est pas vraiment bien et mal, mais disons quand on choisit un, c'est plutôt un peu con de faire l'autre. Et tech, c'est un peu entre les deux, c'est ceux qui sont neutres. Et on a toujours besoin de bâtiments tech, notamment pour l'extraction de diamants, de manganèse et de trucs comme ça. Parce que je pense pas que les techs aient grand chose qui soit important, que les tycoons aient grand chose qui soit important pour les échos, et inversement. Donc voilà. Bah en tout cas, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Prochain épisode, je pense qu'on fera la ville tech ici. Je vais commencer à plus avoir beaucoup de place sur cette île par contre. Je sais pas ce que je pourrais utiliser d'autre Camille. Ça c'est pas assez grand, il y a pas assez de place, ça c'est pas une île. Ça c'est y a pas assez de place. Ici, non, il n'y a pas assez de place non plus. On verra. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vert et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et d'ici le prochain épisode, bonne journée et à plus.